Bonsoir, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On reçoit ce soir un groupe qui va sans doute réveiller bien des souvenirs et des émotions. On reçoit Zamker. Alors, bonsoir à, puisqu'elle a été là juste avant. Alors, pour pas me tromper, Malenia. Malenia, Sylvie Sylvie. Ognard et Alexandre Phileas. C'est ça. Alors, Bonsoir. bonsoir à vous trois. Alors, on va commencer par parler de qui vous êtes. Qui veut commencer? On va donner la parole à monsieur. On dit tout le temps que c'est les dames qui doivent Non, non, commencer. c'est les dames qui vont commencer. C'est vrai? C'est Malenia qui va commencer. Alors, Malenia, artiste Malenia, je suis enfin, mille et franc quêteuse, conteuse, danseuse et chanteuse. Voilà. Et on va donner la parole à celle qui est la matronne de ce groupe, Ah bon? C'est Sylvie bon, Ognard. ok. Alors, Sylvie est une artiste au même titre que Alexandre et Malenia. Je compose. Je suis donc auteur-compositeur. J'interprète. Je fais des chœurs. J'aime danser. Je fais toutes mes becs dedans, comme dirait Guylaine. Voilà, dans toutes. Alexandre, j'allais dire être entre deux femmes avec une aussi forte personnalité, c'est... Non, mais de temps en temps, mais il danse aussi comme Malenia, de temps en temps, de temps en temps. Non, mais elle est adorable. Ce que m'aime bien, c'est que nous a formé un... C'est même pas un groupe, en fait. Même pas un groupe de musique, c'est un mouvement Mouvement. artistique. Parce que si tu regardes bien notre trois, là, on est différents. Déjà, de notre Ah non, moi je trouve faciès. que vous ressemblez beaucoup, hein. Ouais, Oh purée. Non, je déconne. Ouais, ben On est non, non, différents. non, 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 on n'est pas pareil. vous êtes complémentaires, j'allais dire, vous Complémentaire. êtes complémentaires. N'est complémenté. Et c'est pour ça, en fin de compte, de notre différence, on a voulu mettre ensemble pour faire un bon mélange, quoi. Donc, ben, c'est là est venu le groupe Zamker. Donc, groupe Alors, Zamkenena, le logo je vais avec vous trois poser la couleurs. question à vous Ouais. trois. Ça veut dire quoi, Zamker? Chacun me donne sa définition. Zamker, ça veut dire quoi? Bon, pour moi, Zamke Vas-y. veut dire les âmes du cœur, les âmes du cœur, les âmes de la musique. Et aussi, personnellement, pour moi, c'est une connexion que s'est fait naturellement et nous l'avons voulu mettre notre particularité ensemble. Et nous voulons aller vers l'ouverture, vers l'union. D'accord. Elle a pratiquement tout dit, les âmes du cœur. Pour moi, c'est l'au-delà qui décide. Après, chacun a sa vision des choses. Moi, je vous parle comment c'est. Nous, on est au service de l'art. Voilà. D'accord, Alexandre. Ben, nous, on a fait un logo pour notre mouvement et c'est à l'image du drapeau de l'île de la Réunion. Donc, à l'image des rayons de soleil, soit qui se rejoignent ou soit qui partagent un peu partout, comme s'il y avait plusieurs styles, plusieurs univers. Et donc, on avait trois couleurs sur notre logo, comme sur le drapeau. Et. Ces trois couleurs-là, ils représentent les trois styles que nous aimons bien faire. Donc un peu de douceur pour le côté bleu, la passion pour le côté rouge, et le Le soleil jeune. juste est là. Le jaune. Trois couleurs. Voilà, trois couleurs. Et vous avez choisi les trois couleurs du Drapeau. Du drapeau de la Mais Réunion. on a figurez. choisi Non, les mais trois figurez, on n'a couleurs. pas fait exprès. Ah, Hein. C'était pas, moi, c'est ma couleur préférée, le C'était jaune. nos J'ai dit couleurs jaune. préférées. Elle, C'est elle a ça. dit rouge. Moi, j'ai dit, il n'y a que dedans, il veut le rouge. Un autre l'a dit une autre couleur. Et Rouge. après, l'a bien tombé, l'a arrivé sur le drapeau. Alors, pourquoi le bleu, si on regarde on fait de la communication, le Oui. bleu, généralement, il est froid, plutôt apaisant, apaisé. Le rouge, c'est sanguin, donc le sang. Et le jaune, c'est donc le soleil. Soleil. Ouais, le Donc, dynamisme. c'est vous trois, finalement. C'est le drapeau. On dirait que quand on vous regarde, c'est le drapeau de la Réunion. On va dire ça comme ça. On peut dire ça. D'accord. Après, le soleil peut être sanguin aussi. De temps en temps, quand Ah, on le contacte, soleil, il il a son petit brille. caractère. De temps en temps, nous, il change couleur. De temps en temps, le soleil brûle aussi. Hein, sous une Oui. affaire, à un moment donné, elle vient d'en creuse. Ben, Hein. J'ai fait attention, juste le dire. quand on regarde ça, je veux dire, ça se voit dans votre façon de vous produire, de chanter. Quand vous chantez, vous êtes vraiment dans cette émotion-là. Le sanguin, le... Et c'est vrai, quand, même si le bleu, c'est plutôt apaisé, quand Alexandre s'exprime,
il monte dans les tons. Ah oui, avec cette histoire-là, l'histoire de la Creuse surtout, bah, on est obligé de. Enfin, moi-même, l'émotion me traverse quand j'ai écrit ces textes et quand j'ai écouté toutes les infos qu'il y avait, quand j'ai demandé à mes aînés, ben, ça ressort comme ça, quoi. La question, les enfants de la Creuse, c'est vraiment ce qui vous rassemble aujourd'hui. C'est cette, c'est d'essayer de, j'allais dire, de d'abord d'identifier la souffrance que ça a provoquée, ensuite de voir qu'est-ce qui est possible de faire et d'aller vers cette résilience. Je pense que oui, parce qu'en vérité, moi-même, je ne savais pas si je savais écrire des chansons. J'aimais la musique. Donc j'ai commencé à écrire sur cette histoire-là, et c'est là où Ma question, ça a ça va mis être, à se rencontrer, en fait. quels sont vos liens avec les personnes qui ont été, qui sont les enfants de la Creuse? Quels sont vos liens aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, Valérie, c'est quelqu'un que je respecte Alors, Valérie énormément. Andanson, dont vous parlez, Oui. elle est enfant de la Creuse. À 3 ans, elle Oui. a été Voilà, c'est ça, exactement. envoyée C'est une en. personne que j'admire parce que pour moi, quelqu'un qui a subi ça et qui a eu autant de force pour se relever et arriver là où elle est, tête droite, sans vouloir à qui que ce soit, et ramener tout le monde comme ça avec elle. C'est ça. Moi, ce genre de personne-là, j'admire. Ce qui est bien, c'est de, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est donc de connaître quelle souffrance ça a créé et comment aujourd'hui guérir cette souffrance pour que les enfants qui ont été arrachés à leur terre puissent se guérir, Se puissent guérir. être apaisés. C'est ça, la Oui. démarche. Et dans cette chanson que vous avez interprétée, c'est surtout ça, c'est essayer de se remémorer ce vécu. C'est ça. Pour vous, c'est ça? Ou c'est autre Moi, chose? personnellement, personnellement, pour moi, c'est maintenant la compassion et en même temps, cette souffrance-là, même si on l'a pas vécu, il réveille des souffrances que peut-être que, il parle pour moi-même, on en a cette souffrance-là aussi. Peut-être différemment, c'est pas la même chose, j'ai pas vécu, je suis pas enfant de la Creuse. Et comment faire, justement, pour aller vers cette libération et ce pardon, le pardon de nous-mêmes déjà, et le pardon collectif, on va dire, pour que ça élève. Oui, alors, quand on parle de pardon, il y a, là, on va parler un petit peu de psychologie, il y a ce qu'on appelle la culpabilité. C'est de Voilà, se c'est ça. demander qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Donc forcément, si on a dû forcément faire quelque chose pour être puni. Donc il y a d'abord se pardonner à soi, parce que finalement, on n'a rien fait, on a été victime de quelque chose, et ça, c'est pas évident. C'est pas évident de se pardonner, et c'est encore plus difficile de le faire lorsque, au fond de nous, on est détruit. Donc, les enfants de la Creuse, c'est une démarche. Et qu'on l'a vu avec Jean-Philippe, Jean-Pierre, le travail qu'il fait pour essayer de reconstruire, non seulement pour pardonner, mais pour partager quelque chose. Parce que lui, aujourd'hui, ce qu'il a vécu, il veut le partager. Non pas pour se venger, mais pour construire. Et ça, c'est quelque chose. Et dans votre chanson, c'est. Vous prenez le temps d'exprimer la souffrance. Bah justement, bah, vous avez dit Jean-Philippe et Jean-Philippe, c'est Jean-Pierre. Jean-Philippe Jean-Marie. Jean-Marie, pardon, pardon. Bah, Ouais. oui, Jean-Philippe Jean-Marie. Bah, Ouais. du coup, j'ai écouté son témoignage sur France Info. Il y Ouais. avait son témoignage à lui et celle d'une bonne sœur qui était dans un couvent et qui s'occupait des enfants d'où les familles d'accueil ne prenaient pas parce qu'ils choisissaient. Il choisissait par tête, hein. C'était ça qui était terrible. Et du coup, bah, c'est son histoire. Et après, quand j'ai rencontré ce monsieur-là, en vrai, je disais, Alexandre, comment ça fait, oh là? Mais en fait, c'est super sympa. Et puis, Il est bah, là, maintenant, il simple, est sur scène avec nous. il C'est est un simple, ange. il est humble, Ah oui. c'est Ah oui. Et puis, très bon luthier. Ah. Il a un djali, il a créé son Oui, propre instrument. je l'ai déjà reçu il avec est son artiste lui-même, hein, parce Percussion, que. harpe. Wow, il faut aller voir. C'est incroyable. Le D'accord. djali. Donc, je vais vous proposer d'écouter cette chanson. Quel est le titre de la chanson? Déraciné. Déraciné. Je vous propose d'écouter cette chanson et surtout de voir comment Zemker l'exprime, ça vaut le détour. On se voit juste après.
Comme bois s'automne l'été misère, dans l'empêtrot et fait la lumière. Maman pour fait cuit d'ori, à nous entre frères, nous t'écasse les cuits. Mité à dors, où t'y s'arrête, mon tissé à dehors, la pose et canette. Comment nous l'été content, nous donne l'anisement. Dans le fond la ravine, beau s'arrête de l'eau, nettoie la cuisine, avec brosse coco. Oui, ça même mon mission, mon éveil, mon l'éducation. Nous l'été nombré, la vie t'est dure, mais l'été inquiet pour nous te fitir. Mais nous t'es pas maléré, malgré la vie, point manger, qu'il est mon racine. Moins enfant, la réunion. Guette soleil, pète or, allume-même mon alors, et la m'imagine. Mon île, la Réunion, son paysage est bien joli. Oui, mien Mali, oh qu'il est mon racine. Moins enfant, la Réunion, guette soleil, pète or, lui-même mon alors, il a m'imagine. Mon île, la Réunion, son paysage est bien joli. Oui, mien Mali. Déraciné, aha, aha, déraciné, aha, aha, déraciné, aha, aha, déraciné, aha, aha, décision l'État, ramène Marmaille en métropole, loin de la famille, sale et délicat, sa peau Marmaille à prendre l'école, dans l'avion déjà, le voyage est long. Dans quel trouble de bête, où ça va, hein? Dis à moi, m'y arrivant en place, la fée coque. Mon corps y glace, mon figure y moque. Affole pas, la pouvoir finie. Au début, à quoi n'a pas PSN à t'y aller? Où ça t'y emmène à nous? Hein? Dans le couvent, divisé. Bonne parent, l'a fini arriver. Et dis à moi, bienvenue, mistra chez moi, m'y sera pas déçu. M'y rentre à la case, m'y suive les règles. Maman bourgeoise, papa les aigles. M'y dit pas rien, m'y fais moi tout petit. Même un bain, moi la papi. Comme il est sale, m'y ça pas à table. Bonne propos raciale, sale et incroyable. Pour qu'il ait mon racine, moins enfant la réunion. Moi n'a l'impression soleil d'or, la change le décor et la m'imagine. Mon île la Réunion, m'y ferai tout pour retrouver où manque à moins beaucoup. Oh qu'il est mon racine, moins enfant la Réunion. Moi n'a l'impression soleil d'or, la change le décor. M'y ferai tout pour retrouver où manque à moins l'ami devient fou. Déraciné, aha, aha, déraciné, aha, aha, déraciné, aha, aha, déraciné, aha, aha, déraciné, sans repère, comme un sinistré, si moi la paire. L'ami veut rentrer, moi la paix de l'esprit, bonne sensation, nous en dit m'y trouve pis. Sa promesse l'a pas tenue, il tient main en laisse comme un détenu. Dans le désarroi, il n'a plus l'école, il n'a plus le droit, il est dans un col. Jacques, c'est mon nom. Z'a-t-il entend en moi là? À moins en font la creuse, mais il n'est pas z'autres couillons, z'autres esclaves, z'autres souillons. Mais dort d'un cave, moi? À moins voisin le ralent. Faut qu'il ait mon racine, moins enfant la Réunion. Moi n'a l'impression soleil d'or, la change le décor et la m'imagine. Mon île la Réunion, m'y ferai tout pour retrouver où manque à moins beaucoup. Oh qu'il est mon racine, moins enfant la Réunion. Moi n'a l'impression soleil d'or, la change le décor et la m'imagine. Mon île la Réunion, m'y ferai tout pour retrouver où. Où manque à moi, l'ami devient fou. Oh qu'il est où là, oh qu'il est où là, oh qu'il est, oh qu'il est où là,
qu'il est où là, oh qu'il est où là, oh qu'il est. Oh qu'il est mon racine. Tour donc sur le plateau, vous avez eu l'occasion de pouvoir écouter Zamker et d'entendre surtout cette souffrance venue des enfants de la Creuse, un moment particulier, mais pas seulement pour les enfants de la Creuse, aussi pour tous les Réunionnais, parce qu'il y a des souvenirs qui reviennent dans, avec les paroles de la chanson, il y a des moments, il y a une puissance vocale, il y a aussi la danse, la chorégraphie, et je crois que cet ensemble-là amène un moment particulier. Et pour vous, qui êtes l'auteur de cette chanson, qu'est-ce que vous vivez, pendant que vous le chantez, qu'est-ce que vous vivez finalement? Ben, moi, à chaque fois, j'ai une espèce de boule qui me serre, parce que à chaque fois que je chante, je sens votre regard au loin, et je sais que ça vous parle. Et du coup, à chaque fois que je chante, je me dis, je suis au bon endroit, il faut vraiment que je fasse ça. D'accord. Et que je continue là-dessus. Et c'est pour ça que j'essaye de faire au mieux pour partager ce que j'ai à partager. D'accord. Voilà. Malinia ? Ben moi, quand je danse, je vis cette émotion qui me traverse, cette souffrance-là, et je le retranscris. Hein. Je le vis quelque part. Enfin, je le vis. Non. Enfin, on peut dire ça comme ça. Ça me bouleverse, ça me traverse, et émotionnellement, ça... Sylvie ? Voilà. Moi, ça sort de la poitrine. J'ai envie de le crier, pleurer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le cœur, vous avez vu la dernière fois, c'est voilà, ces enfants, ces adultes, faire passer donc le message. Voilà. La question aujourd'hui, quand on est dans cette démarche que vous, avec ce que vous apportez dans cette démarche, quel est votre objectif? Est-ce que vous avez des étapes à déjà placer des étapes, vous avez un calendrier pour vous-même, je parle, hein, pas pour les autres, pour vous, parce que c'est aussi quelque chose que vous vivez et que vous ressentez. Comment vous voyez évoluer dans ce cadre-là, dans cet environnement musical ou pas? Alors, ben, au départ, on était plutôt bon enfant, on s'est retrouvé comme ça. Et quand on, à force de s'exprimer, de se lâcher un peu, d'écrire, tous les gens autour de nous, c'est eux qui ont fait en sorte à ce que nous, on arrive à là, aujourd'hui. On n'a pas choisi d'être là, nous, en fin de compte. Oui, mais il y a une chose que vous avez déclenchée pour vous. C'est une prise de conscience. Oui, vous avez déclenché une prise de conscience. Vous avez découvert que vous avez découvert qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste, mais que vous pouvez y prendre part pour essayer de rétablir un équilibre. C'est ça. Vous êtes dans cette démarche là. Ben moi personnellement, ça me donne déjà la niaque, ça me fait vibrer, et en même temps, là, je cherche l'harmonie, la liberté, la colombe. La colombe, c'est significatif pour moi, c'est très ancré. Et du coup, le fait de créer, de dire, la communication, chakra de la gorge, j'ai envie de dire, j'ai envie de danser, j'ai envie de crier, j'ai envie de D'exprimer tout ce qui, forcément, par rapport à moi, à mon vécu, il y a plein de choses qui n'étaient pas dites. Il y a eu beaucoup d'ondits. Beaucoup d'ondits, il y a des ondes, on ne sait pas pourquoi. Et là, j'ai envie vraiment d'enlever le voile de la vérité par rapport à ce que moi, je ressens. D'accord. Et voilà. Sylvie ? Vous étiez en train de parler justement de casser ce cercle infernal justement au niveau génétique. Donc justement, voilà, enlever le voile sur la vérité, ramener le plus de monde avec nous. Voilà. C'est ça, ça s'est fait comme ça. Moi, personnellement, quand j'étais petite, je me suis toujours imaginée sur scène. C'est marrant. Non, c'est des choses qu'on t'imagine et qui arrivent. Voilà, je me suis imaginée sur scène avec Europe en train de chanter de l'opéra. C'est assez rigolo, mais jamais j'ai eu l'envie d'être toute seule. J'ai eu envie de ramener du monde avec moi. Voilà. D'accord.
Alexandre? Ben, pareil, pour moi, c'est comme si que nous tous, on n'a pas choisi de ce chemin-là, mais c'était tellement une évidence, en fait, de se rassembler et de Non. rassembler d'autres personnes. En fait, le lien qu'on a fait dès le départ, à rassembler trois univers différents, eh ben, on le fait pour tout le monde maintenant. Et maintenant, il y a une troupe, Oui, on est il y a passé au beaucoup de monde qui Théâtre nous ont rejoints. Saint-Gilles, on est passé avec au moins une cinquantaine de personnes. Donc, il y avait des percussionnistes, des musiciens, une chorale exceptionnelle, une famille en plus, il y avait des petits, des personnes un peu plus âgées et tout. Donc, ben, je pense que le fait d'écrire pour la Creuse, ben, je pense que c'est en lien avec notre énergie de rassemblement. Et on a rencontré des personnes formidables. On dirait qu'elles ont été mises sur notre route Oui. pour tracer notre chemin. Je Ah parle oui, de big up Daniel du à. Vieux Domaine, Oui, justement, qui a remis big sur up à pied lui. le Vieux Domaine, certainement que vous connaissez. Ouais. Ça n'a pas été facile pour lui, mais aujourd'hui, voilà, c'est là. Et ça a été vraiment la personne, notre ange gardien en quelque sorte, à la Ah oui. base. Et pas Oui. que lui, il y a Sonji aussi qui nous a beaucoup Studio aidés. Sonji, oui. Studio Sonji, et c'est un bon, hein. Il est au top. Et ben, surtout Jean-Thierry Chéroux, Jean-Philippe Jean-Marie, Valérie Andanson, tous ces gens-là, en fait, ce sont des anges pour nous. On Ils sont oublie tellement aussi, bienveillants. l'une des principales, c'est Louise Ferry, Ah qui oui, est à qui nous a fait, l'origine de ouais. notre logo. D'accord. On a dépassé le temps qui nous est imparti. Alors, ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez une actualité, ben, vous sonnez à la porte et on vous fera rentrer pour qu'on, de nouveau, on puisse échanger et parler de du groupe Zamker et aussi de tout ce que vous essayez d'apporter à votre façon à La Réunion pour que ça avance dans le bon sens. J'ai juste une chose à dire, c'est que le 19 décembre, si Dieu veut normalement, Monsieur Firmin Viry a eu la grande gentillesse de venir participer avec nous au Vieux Domaine sur le spectacle qu'on est en train de monter et qui sortira donc dans son intégralité l'année prochaine, mais sur des extraits donc Grand-mère Kala, elle Voilà. s'appelle. Et c'est pas c'est revisité donc par Zamker. Voilà. Et on en parlera de cette tragédie que Kala a vécue à cause de l'erreur de Alain d'Or la prochaine fois. Merci, Maïa. Merci à Alexandre. Merci également à Sylvie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.